Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétro Jeux. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va tester Arizona Sunshine sur VR. C'est parti! Donc nous voilà transportés dans l'univers 3D de Arizona Sunshine. Donc moi, pour information, dans mon casque VR, j'ai bien entendu la vue en 3D. Donc appuyez pour se déplacer. J'ai la manette rouge. La manette droite, donc on appuie pour se déplacer. On peut éventuellement appuyer pour ramasser. Voilà, oh. On va inverser les mains puisque j'ai des drôles de mains. Hop, j'ai fait tomber la boussole, mais c'est pas grave. Donc nous voilà avec nos deux mains. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ramasser un marteau, ça c'est plutôt pas mal. Donc là c'est juste le menu du jeu. On va maintenant pouvoir, je pense, avancer. On prend un pistolet, faire tout simplement le mode campagne. On insère la cassette. Un joueur, difficulté normale, nouvelle partie. Donc base. Alors, donc mon pistolet il est là. Appuyez pour ramasser. Verrouillé et chargé. Je devine que c'est ça, Fred. Tirer dans la tête. Mince. Eh Je vais me bien, je suis reculer un désolé que peu. tout n'ait pas collé entre nous, mon ami, mais je m'en vais. Que puis-je dire? Donc on appuie pour se déplacer. Ça, je l'avais vu un peu dans la salle. On peut ramasser ça. Hop. J'ai pas de balle. On peut mettre le masque. Je sais pas si on peut le mettre. Alors, est-ce qu'il est sur ma tête? J'en sais rien, puisque je le vois pas. Hop. On peut s'amuser à tout ramasser, donc ça c'est rigolo. Ça c'est ce que j'aime dans la VR, c'est de pouvoir ramasser les objets, faire des conneries avec. Un petit tournevis. On essaye de réparer la montre. Donc là c'est ma vie, je pense. Donc je suis à 100. Détour. Oh merde, mince, Freddy. J'ai fait de mon mieux, n'est-ce pas? Bon, je dois y aller, mon pote. Commencer la journée. Hey, bonne chance, le moche. Merci. Oh, ma ceinture de munitions. Salut. J'espère que ça va toujours. Oh, Donc j'ai ma il reste ceinture de encore des munitions, munitions. je peux regarder 20. Stockons ce bijou. J'ai 20 balles. Donc je suppose que là, je peux venir recharger les balles. Il faut les mettre sur la ceinture, d'accord. Hop. On se charge à bloc, 92 balles, éjecter le chargeur vide. Hop. Et comment on recharge après? Ok. Ouais, d'accord. C'est l'heure pour s'entraîner sur la cible. Donc, tirer, on va essayer de viser. Ok, pas mal. Il y a du zombie qui arrive. On va manger un petit steak haché. Hop. Ah, vous êtes là, les gars. Je commençais à me sentir un peu seul. Alors, qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous connaissez les règles? Ne vous approchez pas trop. Et mon flingue? Oh. Pourquoi il a changé de main? Hé, ne vous rapprochez pas trop. Les gars, qu'est-ce que je viens de dire? Ne vous rapprochez pas trop. Ça, je trouve pas mal en fait, parce qu'on a un viseur. Et en fait, en fermant un œil, on peut bien voir le viseur. Je sais pas si on le verra bien sur la vidéo. Hop. Et comment on recharge déjà? J'ai que le chargeur vide. Vous êtes content maintenant? Ok. Je ne devais pas descendre comme ça, vous savez. J'aurais pu me reposer, avoir une belle tasse de café, papoter. Mais non. Bon, je n'ai pas magnifique, Eh bien, je suppose que nous n'avons plus rien mais à faire ici. Dirigeons-nous vers ce pont que j'ai vu en aval hier. Ça laisse quand même pas mal de possibilités. Ça, c'est rigolo. J'ai la plante qui vient sur moi. Au niveau des déplacements, c'est pas extraordinaire, hein. Ah, elle m'emmerde, hein. Mmh.
faut vraiment viser. Alors, hop. La vérité, elle est pas facile, hein. J'ai cru entendre un truc. Merde. Comment on fait pour tourner? Allez. Bon. Je me suis fait tuer. Avec tes chargeurs vides. Ben ouais, je veux bien. Voilà. Donc, lui. Toi, tu vas pas m'avoir une deuxième fois. On vise bien. Hop. Il y en a un deuxième qui arrive, mais on a le temps. En attendant, on peut regarder ça. Toi, t'es pas beau. Il y a quelques petits... Ça me fait penser un peu à Resident Evil Nemesis. La visée, c'est vraiment pas facile. Hein. Faut vraiment se prendre... Oh, il court, lui. Trail. On va monter à l'échelle. Donc, pointer vers l'échelle et appuyer. Ok. Regardez la vue, tiens. Ça, c'est rigolo. Hein. Pour ceux qui ont le vertige, oh, on peut se pencher à droite, à gauche. Ça, la VR, c'est plutôt pas mal. Une petite poignée, tirer, tenir appuyé pour ouvrir la porte. Hop. Ça l'a poussé plus que ça. Voilà. Il y a du petit zombie là. Ah, il fait si chaud. On essaie d'avoir de loin celui-là. Et Freddy qui essaye de bronzer. Hé, voilà. Freddy, ramène-toi. Bon, graphiquement, ouais, c'est vrai, c'est les premiers jeux VR. Hein. C'est pas extraordinaire, hein, franchement. Mais l'immersion est là. C'est ce qu'on veut en VR. C'est l'immersion. Regardez, on a l'impression de pouvoir toucher l'échelle. Ça, c'est vraiment bien. Alors, on vise. Peut-être un peu trop loin celui-là. Hop. Alors, je suppose qu'on doit aller en haut du pont. On peut voir quelques petits zombies. On va pouvoir se recharger peut-être. Regardez. Hey, une radio. Allumer la radio. Appuyez sur interagir. Okay. D'accord. Voyons si cela fonctionne toujours. Quelqu'un diffuse quelque chose. D'où ? Bon sang. D'accord. Réfléchis. Il y a la radio qui a craqué. Je dois trouver une autre radio. Plus de balles. Hop. Ah oui, il y avait carrément une... Une armure, celui-là. Ah! J'ai deux mecs qui sont bizarres, même pas tiré dessus. Quoi. Alors ici, on va rester là. On va rester là. On va rester tranquillement derrière la grille. Oh, je pensais que j'allais pouvoir être tranquille. Il a pu me toucher quand même à travers la grille. Bon. On est sur le pont. J'aurais bien pris une bagnole, tiens. Donc, on se met dans l'angle, on avance. Apparemment, il y avait deux chemins, on aurait peut-être pu monter par ici. Donc, on se met bien dans l'angle de la voiture. Il y a un flingue dedans. Hop. Boum, regarde-moi ça. Tu vas bien me servir, mon ami. Joli. Alors, toi, viens ici. Ok. Toi, bon, t'as pas besoin, t'es pas sur mon chemin. Il y en a un qui arrive à tout blind. Ouh, il est pas content celui-là. Alors est-ce que je peux. Est-ce que je vois ma vie? Je sais pas si. Oh, il me fait flipper celui-là.
Ça, c'est chiant que le chemin disparaisse comme ça. Voilà. En fait, je sais pas si je suis bien dans l'angle de jeu. Donc, je vais me mettre dans l'angle de jeu. Alors, il y en a un qui est ici. Hop. Hop. Voilà. On a toujours la portière. Hop. Il n'y a rien là-dedans. Oh. Tu m'embêtes pas. C'est compliqué de savoir combien il y a de balles dans le chargeur. Donc on va recharger tout de suite. On sera pas embêté. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans la bagnole? Je vois pas ce qu'il y a dedans. C'est pas grave. Le Hollande est perdu. À quelques minutes. J'aimerais bien visiter Amsterdam un jour. Juste à se relaxer. La ville de l'homme allemand. Un petit chapeau, hop, on va le mettre. On peut pas le mettre? Non. Regarde un peu toutes ces voitures. J'aime vraiment les décors, ça on me fait penser à Walking Dead. Moi, je suis un petit peu fan de la série Walking Dead. Je peux vous dire eh que bien, d'être transporté quand dedans, on parle du loup. C'est plutôt pas mal. Hop, alors est-ce qu'il y a quelque chose dans la valise? Je peux pas l'ouvrir. Bon, il y a du zombie qui arrive, les gars. Et où ce putain de guitare? Ah! Voilà. Je peux vous dire que d'entendre les zombies dans le casque, on la ramène plus après. Voilà. Aussi. Hop. On se retourne et on va tuer le dernier pour être tranquille. Ouf. J'ai utilisé beaucoup de munitions. Donc j'ai une... Voyons ah, si je peux en trouver un peu plus dans ces voitures. Qui est juste là. Est-ce que je peux le prendre là? Ben voilà. Oh merde, attendez. J'ai mis deux flingues maintenant. Ça c'est de la balle, ça. Bon. Mais pourquoi t'as tiré, toi? Y a rien dans la bagnole de flic. Comment je passe? Par ici. On se rapproche. Ah, bah y a des balles. Ça. Merde, faut les mettre sur la ceinture, c'est vrai. Hop. Donc là, on peut voir que j'ai différentes balles. J'ai pas encore les autres. Ça, c'est un chargeur normal, je suppose. Là, il y a l'autre chargeur. Ça doit être des balles de fusil à pompe. Ça, je sais pas du tout. Dans le coffre là, ouais, tu le sentais bien qu'il y avait quelque chose. Une grenade, c'est une grenade ça? Ouais. Bon, si on voit une horde de zombies. Ah! On lâchera la grenade, les amis. Mais vraiment pas facile de viser, hein, franchement. On peut pas ouvrir les autres caisses. Là, on va ouvrir le coffre. Puis. Oh non ! J'étais pas prêt ! Ouvrons le coffre, il n'y a rien dedans. Celui-là, je le sens bien. Je le sens bien. Oui, vous avez vu ? Alors, hop. Ah oui, j'oublie toujours. Donc on a la grenade, on la testera après la grenade. Follow the road. Ben, on va la suivre. C'est marrant ça, c'est donc dans chaque coffre il y a des balles. Comme si tout le monde se baladait. Tiens, ben, qu'est-ce qu'on va mettre dans le coffre? Ben, on va mettre des balles. Oh ben, ça peut toujours servir si on part en vacances. Un casque. Moi je suis sûr qu'on peut mettre des casques sur la tête. On peut pas le prendre celui-là. Alors. On reprend le flingue. On a... Ah oui, c'est vrai, j'ai deux flingues. Par contre, pour viser avec les deux en même temps, c'est chaud. Hein. Vraiment chaud pour jouer avec les... Pour viser avec les deux en même temps. Hein.
Si vous avez vu, il y a quelques poteaux qui se baladent. Pas des poteaux, des tonneaux. Eh ouais, je le savais. Bon, on va tirer avec le deuxième quand même. Bon, par contre, c'est pas beau chez moi. J'arrête pas du tout à tirer à gauche. Mais lui, il a pas l'air content là. Et si on essayait la grenade? Appuyez pour entrer. Qu'est-ce que j'ai foutu? Appuyez pour entrer. Ok, hop. C'est quoi ça? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te faire tuer aussi, toi? Pas de soucis. On va recharger. Alors, pour recharger, je sais plus. Hop. C'est bon. On avance avant que les autres ils viennent nous embêter. On va tirer là-dessus, tiens. Et après, on retestera la grenade. Ce serait quand même pas mal. Oh là! Voilà. T'es mort. Par contre, à force, je pense que je vais manquer de balles. Oh là! Vite, on se barre. Oh, vous pouvez pas me barrer. Bon allez, dernier essai. Eh bien, quand on parle du loup. Bon, on se fait encore dégouiller. C'est pas possible ça, hein. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo. Si vous avez apprécié mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Rétro Jeux. Ciao, ciao.